Premier Green Next est disposé à mourir. Je ne connais pas moi-même. La police dans une opération yo mené yo rivé déposer la patte sous plusieurs jeunes garçons qui empilé yo dans un seul caï pour faire base yo. Question qu'a posé, est-ce que nek sa yo c'est bandi que yo yé? Naïm Bukele fait qu'on est plus passé 60 000 bandits qui déjà en prison et le fait qu'on est bataille contre gang yo pas campé. Pour célébration 18 mai ça qui a venu là qui s'est fait drapeau dans pays d'Haïti qui t'a supposé fait à Kaye mais à cause insécurité bandit bogi mettez là dans zone à Kaye titanien l'état décidé à le faire. Faites ça au cap haïtien pito. Est-ce que autant de causer? Est-ce que ouais, nan qui s'appelle Haïti tombé? Je ne jodi a la akaye pap ka recevoir fête 18 mai yo voyel au cap haïtien. Bagala grave, bagala empiré. La police débarqué nan yon kay ki nan Léogane nan yon kati non zone qui rele mon kabiet section gros mon. La police jouen 14 jeunes garçons qui empilé yo qui coincé koyo non sel chamkay qui sorti en l'air dans Thomasin nek sa sorti dans Thomasin yo débarqué dans Léogane y a fait basio yo empilé yo non sel kay ginek li même pour nek a dormi en dedans là yo sem te ka di c'est tête à tête yo collé yo là ginek tout te ka di TP yo nan mi pour ka dormi 14 jeunes garçons non sel chamkay kwem souvli kay sa en bas chalet nèg yo ap jwenn et bien là la police arrivé mette men sou nèg sa yo les moun nan zone nan remarqué gen visage inconnu ki nan zone nan yo alerté la police sa et puis tout la police débarqué rapide au presto parce qu'on connaît opération bois calé a depuis moun suspect ou moun ou pas ka identifier nan zone nan yon moun ou wè ki son nouveau visage nan zone nan. Et bien là, ou t'as supposé arrêter la police ça, moun Léogane pendant si tire bandi, moun Léogane pendant si tire moun qui pour ka vinn faire la toublay dans zone pa yo, immédiatement yo et moun sa c'est des nouveaux venu yo dans zone là, yo arrêter la police ça. La police débarqué, là yo rivé dans kala de la soirée, yo jwenn pile jeune garçon sa yo coincé ko yo en dedans ka ici là. La police marine ça tant kou crabe. On garde qui Jean la police te débarqué pour arrêter 14 jeunes garçons sa yo pour ka aller avec yo nan prison. On a regardé après ça nan tourné. Nous sommes gardés qui Jean la police débarqué en de caille là. Nous est qui Jean n'est couché là yo empilé ko yo en dans caille même j'aime de ka di là. Si pa gen si tire, pa ka gen volé. Ah oui, moun Léogane prouvé, yo pa si tire. Immédiatement, yo remarqué gen plusieurs visages inconnus qui entré sorti en don sel pièce kay. Yo arrêté la police ça et puis tout la police débarqué, yo fait bel coup de filet ça. Selon information qui rive jwenn mwen, nèg sa yo sorti Thomasin. Yo vinn masé ko yo la nan Léogane nan sel chanm kay et nan kay ça gen un petit grand moun t'assemblé grand moun ça c'est papa younen nek sa yo qui débarqué avec zanmi yo vinn empiler la caille grand moun nan la police débarqué yo arrêté nek sa yo mais grand moun nan yo quitté parce que grand moun nan pa konn rien dans ça dans ça nek sa la moun ki jenne sa veut débarquer la caille mais plutôt son moun nan caille là qui débarqué avec nek sa yo 14 jeunes garçons qui sorti en l'air dans Thomasin question qui en pi moun a posé est-ce que nek sa c'est bandi ki oyé est-ce que nek sa c'est bandi
ti makak ki ou parce que bandi ti makak la baza krasé ti makak mouri immédiatement ti makak mouri bandi yo a chercher côté pour kamao si les sorti Thomasin qu'est-ce qui dans Thomasin dans Thomasin avec la boule c'est nek ti makak yo qui était en l'air c'est deux gang qui gagne en l'air cap diriger zone ça c'est vite l'homme avec bandi ti makak si nek ti makak yo chef la mouri bandi sa okuna y a chercher côté pour jouer pied yo pour lagué et bien là nego débarqué dans les organes il fait yo empiler ca koyo en don sel pièce caille 14 jeunes garçons non caille comme souvle nego pas famille nego pas famille kounya la m'ba amézi pou ta djou est-ce que nek sa ou c'est bandi ke oyé m'a tande responsable police yo ka bay dossier yo ka bay détails sur arrestation sa ke ou fait m'a sive page officiel PNH là pour les laguer dossier ça pour m'ka courir prêt pour nous sur channel qui bay 100% vérité a qui c'est production 509 parce que les quatre jeunes garçons débarquent là non seul caille pas de l'amour dans zone là pour t'a dire veille qui pas le fait pour t'a dire nèg c'est dans un terme t'a venir peut-être il était caille famille mais non nèg pas famille c'est débarquer dans zone là monde dans zone là remarque plusieurs visages inconnus dans zone là nous connaît bandi à chercher côté pour marron kounya là yo prudent yo annoncer la police ça et puis tout la police débarquer dans cas là yo arrêté 14 jeunes garçons qui sont en l'air dans Thomas. J'aime dire là, je vais nous informer si nous sommes bandits, je vais nous dire oui, nous sommes bandits. Si nous sommes familles et tout, nous allons dire oui, nous sommes familles qui sont. Parce que à terre glissé, bandits ont cherché côté pour marron, pour boire calé à Paris, sur yo. Immédiatement nous identifions un visage inconnu dans la zone nous, alerte la police, ou même qui vont côté où besoin aller, ou pas qu'on peut aller. Nous obligés prudent si on zone ou pas qu'on habite sur la donne ou gen zanm ou pas l'ou gen ti ménage ou pas l'ouè plutôt faire ménage avin kontre avou pour l'entrée avou afè ou pas nan zone nan et puis tout ou passe nan zone nan ou entre nan zone vin faire bazou et bien là ou passer en bas opération bois calé c'est mettre corps vie corps c'est mettre zone nan pour veiller zone yo Naim Bikele qui c'est président pays Salvador li font tweet côté li annoncé li récit passé yon année côté population pas victime en bas insécurité nous connaît Naïb Bikele lui-même son président lui-même qui passe tiré bandi depuis ce bandouyé ou tombé tête noue depuis ce bandiyé depuis ou ce bandi ou n'a dit ou entrer dans prison nous connaît Naïb Bikele lui-même lui c'est lui-même qui t'a arrêté plusieurs jeunes garçons qui écraser plusieurs gangs nan pays pa la kounya la autorité Salvador fait konnen ane sa yo passé ane a sans crime c'est sa président Naïb Bikele affirmé li confirmé nan yon tweet hier qui était jeudi 11 mai c'est les li était publié tout là li dit pendant la précisé c'est premier fois ça arrivé depuis année 2016 gen plus passé 60 000 bandits qui déjà nan prison malgré ça chef l'état annoncé bataille contre gang yo pap campé li même li là pour ka détruit tout groupe gang li passé yon année sans qu'il pa gen crime nan pays là ça veut dire là son pays là ka vive nan sécurité a fait bandi ti volé pa gen baye sa pièce même j'avais commissaire Miskade j'ai dit son pal là c'est cimetière lié pour tout bandi et bien là nek sa c'est un exemple lié pour commissaire Miskade Naïb Bikele li fier pour annoncer sous côté tout deli gen 60 000 bandi qui déjà dans prison et bataille contre gang yo pa camper c'est ça lui annoncer jusqu'il est n'a bon président comme ça non pays d'Haïti pour annoncer bataille contre gang pas camper et mes combien gang yo mettez dans prison et puis tout pour année pour ta bilan zéro mort zéro kidnapping n'a mais un jour pour Haïti ta nan stade même gens avec pays Salvador femme ou bien célébration 18 mai qui a venu là qui ça fait drapeau lui t'a supposé fêter dans Akaye mais plutôt la fête au Cap Haïtien. C'est la cérémonie
officiel 220 l'année drapeau haïtien a fait. Comme vous bien, raison qui fait l'État haïtien prend décision ça, c'est à cause insécurité qui gagne dans la zone avec chef gang allié Iso Seksekodan qui c'est général Bogi. Pour cérémonie officielle 220 année drapeau haïtien, il a pas fait à Kaye, malheureusement à cause insécurité a, mais plutôt il va le fêter au Cap haïtien. Pour j'aime connaître au Cap gien fatra, pour j'aime connaître au Cap gien labou, au Cap tourner li kounya, au Cap tourner kwa bosal, faut l'état haïtien m'ga di faut ta commencer faire nettoyage dans zone yo dans ville au Cap de façon pour faire drapeau a ka bien fêter malheureusement. Mais qui ça dans citre gang, mais qui ça li ne ka di ça vient mettre nous pour faire drapeau kounya la. Si j'ai la Dessalines t'attendé bagay ça pour faire drapeau pour quitter lieu pour ta fêter dans Akaye kounya la n'al fêter juste au Cap qui ça bagay ba on pas comprendre bagay ça. C'est parce qu'il a citre bandi yo qui veut que je ne jodi là pour ne pas fêter fête drapeau. On a dit à Kaye chaque jour depuis le 8 nous jeune premier ministre là, nous jeune chef police là, nous jeune autorité yo fier pour camper pour absaler drapeau de le faire 8 heures du matin. N'a mais qu'on est à qui fierté pour ne ça camper pour chanter hymne national là. Ou pour les soir chanter hymne national là. Faut cracher dans gorge ta tout anglais yo pour tout faire fin avec yo parce que nek sa yo nek sa pa moun nek sa yo ne ka di pa gen autorité dans pays d'Haïti nan men konn a ki fierté pour chaque matin pour nek sa camper pour saluer pour chanter hymne national là nan men konn a ki sentiment nan men konn a ki motivation pour jounen jodi a la cérémonie 220 l'année drapeau qui c'est bleu et rouge, c'est cette note goumé pour lui. Nous avons une quatrième fois qui était coup de drapeau ça. Je ne dis pas pour ne pas fêter dans Akaye, nous obligés à fêter au Cap. Au Cap, nous allons fêter là. C'est un hélicoptère. Il y a passé pour aller au Cap, oui. Il n'y a pas passer dans la machine. À cause, la zone n'est pas bon. Ça nous crée sous lui. Mes amis, femmes ou bien là, nous avons commencé à nettoyer la ville au Cap pour nous tirer là, pour sentir, fatra. Au Cap tourné kounya m te ka di presque tourné kwa bosal pou nka commencer faire exposition potentialité nan grand noir pou nka bien mette ba yo pou nka sina festin pou nka festin pou na décorer mette bien pou tout côté même que Akaye pa ka joine ne ka di opportunité ça kounya la yo obligé al fè au Cap haïtien c'est bien malheureusement comme fòm sou bien là comme nous connaît. Ba on sa gen touriste k'ap rentre pou vinn la nan fèt drapeau pou vinn nan insécurité a m'pa konnen. Bref, c'est toute information que pou jodi a la, et c'est like tout abonné et puis pèse sur notification pou les nan vidéo pa rate, les k'ap mwen malé, n'a croisé nan prochaine émission pou m'ka vinn traité yon lot dossier. N'ap rapplo channel ça, lycée production 69, c'est nous qui bay 100% vérité sans retirer sans mettre. Nou pa fè nouvelle, c'est bay nou bay nouvelle sans retirer sans mettre. N'allez. Rendez-vous dans la prochaine émission. Déjà, nous avons parlé là, nous avons parlé là, il y a trop de pile. Et m'inviter tout le monde qui a la caillou, qui a le téléphone, non, mais qui a la calculatrice, qui a bel nom, mais nous avons le faire. Et un petit contrôle, un petit calcul pour nous montrer qui ça, kidnapping, la facture kidnapping dans les trois dernières années, qui ça lié. Et nous avons le faire relation entre criminalité économique avec crime organisé. Parce qu'il y a une grosse relation entre crime, entre kidnapping et économie et finance, j'en ai fait dans le pays. Ok, monsieur Alexis, c'est constat pour tout. Je dis à la, à partir du mouvement Boakale qui est initié dans le pays, à partir de quelques interventions la police fait, notamment dans le niveau bicentenaire, nous remarquons qu'il y a une baisse dans le cas d'enlèvement, cas de kidnapping dans le pays. C'est également constat pour tout. Oui, c'est constat par moi. C'est flagrant parce que t'es mon liquidation que t'es là, qu'il y a un kidnapping, non? Et plusieurs bandes, plusieurs groupes bandits, aller dans n'importe zone, lever n'importe monde, n'importe le, n'importe gens. Et puis, les vignes étaient
et pour Baïkob, ils ont l'argent qui brassait. Ça veut dire que constat ça, depuis après mouvement spontané qui est les bois calés, qui vient récupérer Konya, ça vient faire que tu as changé de temps, ça vient faire que tout bandit dans l'insécurité Konya, il n'y a pas qu'à la guerre, genre qu'on la guerre, liquidation, il faut grimper, et eux même là, ils sont obligés de poser pour appuyer, pour qu'il ait au cabaye prochain coup. Donc, ça vient faire que pression qui t'est gagnée pour chercher l'argent, pour payer bandit, il pas existé ou il presque disparaît. Et si nous regardons le kidnapping, là, dans un premier temps, nous capables de dire que le kidnapping, là, il était, ça a eu un phénomène. Si nous pas analysé le comme ça, c'est un phénomène. Et un phénomène pour auditoire Radio Caraïbe, là, c'est un bagage qui est passager, c'est un bagage qui est temporaire. Mais avec faiblesse l'État, avec passivité l'État, les vignes qui étaient phénomènes, les vignes ont activité. Yon activité, c'est organisation, son bagage qui est durable, son bagage qui est permanent. En Haïti, dans l'histoire du pays d'Haïti, bandit, de vous déclarer tête ou bandit, vous parlez d'un durée de vie qui allait plus que de 3 à 12 mois. N'a pas gardé Grinson, hein? N'a pas gardé Labagne, n'a pas gardé 26 couteaux, de vous déclarer tête ou bandit, durée de vie ou pas longue. Mais nous-mêmes en Haïti, nous avons des bandits, des groupes bandits, des bandes organisées qui, eux-mêmes, ont 3 ans là. Ça veut dire que si vous avez 3 ans, vous avez complicité quelque part. Parce que l'État doit jouer au rôle, société civile, élite, secteur privé doit jouer au rôle. Et même université qui a un rôle de recherche, qui peut proposer des solutions. Si l'université a déjà joué le tout, activité bandit, activité bandit, activité kidnapping, tu as bien problème, ça t'a posé, tu as bien analyse, tu as bien résolution. Ce n'est pas acheter chablende, ce n'est pas un bail moto, 18 motos qui peut résoudre le problème, ça que nous avons là-dedans. Là. Parce que question nous là-dedans, là, question activité, ça là-dedans, là, qui sont business, faut toute entité yo t'a brassé ensemble pour bailler résultat. Or, il y a monde qui a touché pour ça. Par exemple, sûreté, sécurité, renseignement, intelligence. Tout secteur ça yo, toute entité ça yo t'est doué camper ensemble pour éviter nos pattes là. Et rapport qui gagne entre criminalité économique hein, et crime organisé hein. C'est un bagage qui là depuis le 19e siècle, depuis dans l'école socialiste allemande. OK? Karl Marx t'a parlé de ça en pile. Il dit moun qui gagne l'argent, moun qui possédait toujours fait alliance à bandit pour tout pays peuple. Et dans même perspective ça, il y a un Hollandais qui est William Bega en 1905, dans l'étude qu'elle fait, il déterminait que des pouvoirs, un pays gagné en délinquance, yon banditisme, qui dure en pile, qui brasse la dalle, yon pas j'en dis rien, qu'on est bon mariage l'État, secteur privé, derrière. Et monsieur démontre dans l'étude qu'elle fait sur criminalité et conditions économiques, il montre que conditions peuple, conditions moun yon pas j'en changer, y a quitté yon en misère, il y a quitté au pas jamais avancé et puis un groupe qui pas qu'à faire résistance, il y a bas aux âmes, il y a pris l'argent et puis il y a tout petite classe moyenne qui pas gain cob là pour prendre l'argent en main. C'est ça qui fait que on va parler de délinquance de cupidité, délinquance professionnelle, délinquance situationnelle. Quand on veut arriver, l'aime faire mise en contexte ça. Mais faire mise en contexte ça pour me dire que jodi là, todo là qui baisse hein. Il y a plusieurs éléments qui font ça. Il y en a un premier élément, c'est que BAH, t'es commandé en 40 millions de dollars qui rentrent et qu'elle commence à alimenter le marché. Deuxième élément, pas d'investissement dans le pays. Pas de monde qui met combattre. Pas d'aucun nouveau enseigne dans le pays. Depuis quelque temps, pas aucun enseigne étranger, aucun enseigne local, pas aucun nouveau business. Ça veut dire que sur le plan macro, pas de l'argent qui brasse vraiment. Avait dit que, et, soit garder recettes douanières, autour après, diminuer, par le fait que la douane, soit garder notre
association patronale était dehors pour dire que Jean Ladouane a cassé couyo, yo pas qu'à importer, importation diminuée. Ça veut dire que pression t'a gagné pour chercher l'argent, pour chercher dollar sous marché pour mettre dehors, pression ça diminué. Vin trouver que activité kidnapping, liquidation t'a gagné kidnapping, liquidation ça t'a fait que mon a cherché l'argent matin, midi, soir pour payer facture kidnapping yo, pour payer rançon yo. Ça veut dire que comme Bois Calé qui son mouvement spontané et mouvement ça aujourd'hui à là li diminué et rapport criminalité à économie c'est deux bons amis, yon pas marché qui était l'autre. Économie non toute action criminelle et toute instance pose question pour qui ça tel groupe bandit y a tel comportement réponse par l'autre bagaille c'est l'argent. Mais yon qu'on allait plus loin pour expliquer que c'est pauvreté, chômage, crise économique qui baille criminalité. Sur le plan micro, c'est chômage avec inégalité. Sur le plan macro, c'est mode opératoire et organisation réseau. Yo. Organisation réseau, yo, comme au fait, si vous regardez bien, vous toujours tendez que kidnapping à bord d'ailleurs. Kidnapping gagne pas. Ça veut dire que chaque ça a un fonctionnement par eux. Il y a des gens qui sont planés ou planés. Mais en d'organisation, kidnapping, les gens qui sont les gens, ils sont pour venir les gens. Les potos en dedans, les gens qui sont là pour eux. Les gens qui sont là pour négocier, les gens qui sont là pour chercher l'argent. Et tout ça fait partie de l'organisation. Et il y a des gens qui sont là pour avoir des informations, ça relève tout terre. Et mélangeant en fait à toute catégorie de monde. Et toute catégorie de monde, ça a un payroll qui fait son base hebdomadaire, son base périodique pour eux. Et à partir de ça, ça dit l'argent a brassé. Pendant l'argent a brassé, même j'en signe déclaration de provenance de fonds, lors de déposer l'argent. Si et seulement si, dans la question renseignement, dans la question sûreté, dans la question intelligence, ils ont contrôlé l'entrée et sortie l'argent. Même si c'est payé ou pas le payé ou rançon, il y a une question que tu as posée, à partir de plainte, côté déposé, côté vous déposez le logo au monde qui parle là, tu as un effort que tu as fait pour diminuer le kidnapping. Et, on a constaté le problème que nous arrivons là-dedans, dans la question du kidnapping, il n'est pas venu l'autre, il n'est pas venu l'autre gens, c'est après 2018. Je regrette ça pour les gens qui n'ont pas d'accord, soit qui n'ont pas compris. Toute analyse, toute recherche montre que tu es toujours contre le kidnapping. Tu es toujours contre le banditisme dans le pays. Mais nous pas déjà arrivé dans la liquidation, ça. OK? Et dans ça, nous arrivons là-dedans, là, c'est depuis après que le pays lock. C'est depuis après que le pays barricade en 2018, des hommes qui étaient bail pour barricade. OK? Ils n'ont pas retourné. Tu as des hommes qui étaient bail avant ça pour l'élection. Et puis, ils ont perdu le contrôle, Zamio. OK? Ils ont perdu le contrôle, Zamio. Donc, à partir de, après pays, l'autre 2018, tout le campé des barricades, tout le campé dans la zone, et puis tout l'État vient à l'école, et puis chaque nègre a géré la zone. Et dans la zone, il n'y a pas de phénomène. Ça fait quelque temps qu'on peut attendre deux hommes circulant à bord d'une motocyclette, tirer tel monde. Deux hommes à mon a sorti la banque qui ont braqué yo. Parce que sorti la banque pas gain quoi encore business sorti la banque pas gain quoi encore pour braquer mon sortir mon ça gain quoi là-dedans c'est kidnapping et kidnapping là les mon prend l'argent les mon prend rançon quand même ils font business dans rapport CAD qui se centre d'analyse et de recherche en droit de l'homme bail n'a considéré année 2020 pour année 2020 tu gain 800 moun qui ont été levés. Si vous regardez 800 personnes, ils ont été levés, ils ont été kidnappés. Si vous payez en moyenne 25 000 $ américains, 800 personnes, ça va faire facture kidnapping pour l'année 2020, c'est 20 000 $. Ça veut dire que 20 000 $ pour aller chercher. En 2021, ils ont été levés 1000 personnes. Si même 1000 personnes payent en moyenne 25 000 $, ça va 25 000 $. En 2022, ils ont élevé 850 personnes. Si 850 personnes payent 25 000 $, ça vaut 21 250 000 $. En 2023, nous arrivons jusqu'à mars.
c'est là qu'il y a une grosse liquidation, il y a 400 personnes qui ont levé. Nous arrivons en mars. En comparé 2023 à 2020, on a levé 800 personnes pour année, ça et ça, on connaît. C'est ça qui dit, c'est ça qui déclarait. En 2022, il était 850. Nous arrivons en mars seulement, 2023 jusqu'à mars, il y a levé 400 personnes. 400 personnes multipliées par 25 000 dollars en moyenne, si on y a payé rançon, ça va être 10 millions de dollars. D'où, de 2020 à 2023, population est en mettant dehors 76 250 000 dollars. Et si nous regardons l'indiscriminalité en Haïti, trois dernières années, ça, pour une population de 12 millions d'habitants, 85% haïtiens en danger. En danger, ça veut dire que ou 85% moun yo kalero à n'importe quel moment. Criminalité a augmenté en Haïti à 79%. Comparativement à la République Dominicaine, yo même c'est 61% et insécurité yo 38%. Ça qui est important pour nous comprendre dans business kidnapping et qui fait que tu as une grosse pression sur l'argent, sur le dollar, qui fait que le vin baisse qu'on y a, c'est nous-mêmes, nous pas de jambes dans le radar criminalité comme ça. Parce que c'était trois pays seulement qui étaient dans la région, qui étaient bail tout problème, ça, comme si la question de criminalité. C'était Salvador. C'était Honduras. Oui. Avant nous permettre de progresser, tout à l'heure, nous t'avons suivi avec un pile intérêt, exercice ou des calculs. Ou t'as fait pour nous par rapport avec quantité moun organisation yo même yo dit et yo kidnappé pendant dernière année ça yo ak l'argent moyen moun sa ta kabay. Maintenant ça moi même envie mando et qui capable permettre au moins ou anticiper sur débat et devant là l'argent ça rentré par exemple 25 000 dollars américains moyenne ça que moun qui victime nan, ou bien proche victime nan li même li bay donc l'argent ça. Est-ce que le bon côté là aller? Est-ce que monsieur d'après où il prend il fouille là-bas matelas? Est-ce que le bon côté il va dépenser lui ou bien est-ce que il va mettre le nom business pour capable blanchir ou bien est-ce qu'il fait et route la banque avec l'on vit qu'on est comme ça côté éventuellement d'aller aller. Bon, pas oublier que menzo kidnapping n'a pas un phénomène encore, ils sont activité, sont organisation. Le fait que soit organisation, ça veut dire que les l'argent rentré. Les sorties pour aller faire plusieurs dépenses. Les sorties pour aller faire plusieurs activités. Bon parti car la banque, bon parti car entrer dans le business, bon parti parce que ça qui arrivait, c'est contrôle, yo. Contrôle rentrer et sortir l'argent. Et c'est ça qui fait que nous mettons n'importe quantité char blindé, nous mettons n'importe quantité matériel ou l'équipement lourd. Nous mettons c'est pas matériel, c'est pas équipement qui a nos résultats, c'est renseignement. C'est intelligence, c'est sûreté, c'est agir sous sûreté, c'est agir sous sécurité, c'est agir sous conditions peuple à vivre là. Gardez configuration, gardez sous standard de vie peuple là. C'est triste, l'on levé non matin, ou qu'on vient 8, 10, on a venu crier dans pied bandit, pour dire bon Dieu, bon Dieu, fais ça pour moi, fais pas. Yon moun nous t'a dû jouer maman, ou pas de pardon. Ça montre que y a un gros problème dans la société, ça montre qu'il y a un gros problème dans le pays, dans l'État, ça. Ou pas qu'à demander bandit, pardon, ou pas qu'à crier dans le pied bandit. Or, bandit a vint tellement puissant, bandit a vint tourner bon Dieu. Et le fait qu'elle tourne bon Dieu, il faut faire deal avec, il faut entendre avec, parce que pas de volonté pour craser ça. Et c'est ça qui fait, le fait que pas de volonté, peuple a été convaincu, population a été convaincu, non mouvement spontané, qui vient récupérer, qui vient les bois calés. Et je dis à garder ce peuple-là, c'est pas étranger qui allait mieux ça. Chaque jour, tendez, il y a un groupe étranger qui a venu, blanc a venu, or problème-là, son problème haïtien. Son problème qui est lié à la question d'inégalité, son problème qui est lié à chômage, son problème qui est lié à exclusion, son problème qui est lié à politique, tout. Parce que dans ça, nous, là, c'est politique qui mettait nous là-dedans. Non, essayez de gérer vote, mais essayez de gérer vote, chaque nègre fait un million rentrer déjà au capable, pas de contrôle dans la douane, pas de contrôle sur frontière,
OK, pas aucun contrôle sur frontière, nèg met zame dehors et nan met zame dehors, sac pifo a gen zone li, gen base li et puis il perd du contrôle territoire qu'elle te gagné, qu'elle te ba nèg la kembe et puis nèg a vinn boss li, nèg a fait chanter Jean Blé. Et le fait que nèg a fait chanter Jean Blé, ça vinn permettre que jodi a la nèg la équipe sa yo a brasser l'argent entre yo. Ils brassent l'argent entre eux, organisation criminelle, yo, yo gen rapport direct avec économie, hein? Parce que pendant qu'il y a un rapport direct avec l'économie, il y a moun qui nan économie, il y a gros gardien nan économie qui voulait que ça arrête. Qui voulait que, parce que vous brassez l'argent là-dedans, parce qu'il y a une relation de cause à effet. Al fait 8h, s'il va guetter 8h même. Grégory Lubin, nous pral permettre qu'on réfléchisse pendant pour ce drapeau sous deux questions ça yo, et après ça n'a pas venir pour nous capable et finir avec entrevue. Pour bah la tableau ou t'as pas essayé et inscrit intervention dans cadre comparatif entre Haïti avec de l'autre pays qui était gagné de crimes ou bien de criminalité soulevé à un haut niveau. Vous comprenez? Et deuxièmement, nous t'as pas demandé tout. Maintenant, si quantité de cas kidnapping yo yo considérablement diminué pendant 2 à 3 dernières semaines, ça yo, donc c'est certain, l'argent que tu dois rentrer à jouer gang yo, il pas rentré, et gon série de côté, tout l'argent qu'on se t'en met gang yo, yo aller, soit aller dans série de business pour blanchir yo, soit aller la banque, soit aller boire dans série de secteurs, yo pas venu. Est-ce que ça t'a expliqué, Jodia, et dollar ça, nous, ouais, qui a avancé en hauteur de ce côté-là, baissé, sorti de 155,60 à 147,45 et arrivé jusqu'à Piba même. Je dis à la, est-ce que vous voulez expliquer nous à travers des machins, bon côté comme là qu'on allait, que le pas allait encore. Donc le fait que le pas allait, ça a automatiquement un impact sur question dollar en cash là. C'est chercher l'argent, c'est loi offre et demande. Ça veut dire que si et seulement si tu es bon marché pressé, que tu es qu'on fait maman, papa, cousin, cousine, mon travail, zami, à mettre ensemble, à chercher, finir un goût, mettre en dollar, chercher l'argent, pression ça pas existé. Ça veut dire que soit regarder, je dis à Kaye Bandio, soit tu as fait un inventaire pour des gens qui dehors, ou pas trouver en pile. Mais bon temps, bon semaine, bon mois, ou te garonne, à travers toute république là, toute bande organisée, vous mettez ensemble, si t'es bon bureau, qui te garbo chiffre, t'es carré, et un mois, t'es carré même 35 à 50 moun dehors, chaque monde a un bon chiffre sous tête, en fonction du profil, yo. Et profil ça, l'agent ça, mandé pour aller chercher. Alors, ça qui est important, c'est que l'agent sur son côté, là, l'autre côté, l'agent a brûlé. Et l'a brûlé entre eux, entre secteur et secteur qui a créé des zones là. Ça veut dire que relation directe qui gagne entre criminalité et économie, les fort, c'est depuis longtemps. Moi, je dis, c'est depuis dans le 19e siècle que ça existait. Et c'est un bagage qui, l'état politique, doit travailler sous lui. Parce que si pas de bonnes conditions de vie, si pas gagné conditions favorables pour mon vivre, kidnapping, banditis, la pape jamais disparaître. Si gagne corruption, côté que, un groupe nègre prend telle institution qui est bien en bas, et un groupe nègre prend tel bagage. Regardez ça crivé dans la diplomatie, si ma fond parenthèse. Un groupe nègre décidé, c'est pour que, et pour être capable de casser dans le passeport. Tandis que l'on diplomatie, si vous voulez faire bon bras, si vous voulez faire bon corps, c'est coopération développée. C'est des coopérations développées pour la population qui a bénéficié. Mais c'est le contraire que Nagyo fait. C'est l'inverse que Nagyo fait. Nagyo, c'est population. Ça veut dire que vous pensez population qui cherchait petit bout de cobli pour le faire passeport, ou lever comme là, et puis qu'on a le besoin de partir, le besoin de la guépile, s'il pouvait établir pas présent, c'est pas parce qu'il n'a pas courage et banditis. Mais tout le facteur, ça a montré que, mais ça qui arrivait. Alors, pendant que tu as parlé tout à l'heure, là, on m'a expliqué auditoire que il y a 3 pays. C'est Salvador, Honduras, Guatemala. De 2015 à 2019, Salvador sorti de 100,8%. Il passait à 36% taux enlèvement pour 100 000 habitants, sur chaque 100 000 habitants. OK? Honduras sorti de 63,8. Il est tombé dans 41,5 pour 100 000 habitants. Guatemala sorti de 29,7. Nous-mêmes, nous pas de jambes dans le radar pour parler de nous. Comme monde, comme ceux qui violent, comme pays, qui gagne kidnapping, qui gagne gros enlèvement, monde pas revenir. Nous t'es toujours un petit problème, comme si, crime passionnel, crime politique. Mais nous pas de gagne un business qui t'instaurait
OK, nous pas de bon business qui t'instauré côté que moun comme si a plaisir moun pour l'argent. C'est après constat qui fait côté que bon pile zam qui t'est bail soit pour politique, soit pour une série de bagaille, une série d'activité, tant que moins dit les moins dit encore, donc contrôle qui perdu dans gérer territoire. Ça veut dire chaque politique au bon territoire y a kembe y a bon groupe y a kembe y a chachon c'est de jeunes qui vulnérables y a bail kembe zam pour gérer et puis y a pas reprendre zam y a pas retourner puis zam y a fait leur travail nèg yo qui ouais son business qui juteux nèg yo chercher l'autre contact chercher l'autre moyen nèg a famille y a voulu acheter zam ou acheter munitions qui est-ce qu'a besoin de munitions. Gardez profil nèg qui gagne zam yo pour c'est des jeunes 22 23 ans 18 ans 16 ans qui gagne zam nan men yo yo poko jam gagne comme ça cash nan men yo gagne zam $2,000 gagne zam $3,000 gagne zam $4,000 américain côté ou trouver cob qu'est-ce que t'as des cob ça pour t'acheter zam m'pa quoi ça c'est baro gagne nan qui compte prise zam nan gagne nan majorité nan pas compte prise zam qui nan men yo si yo te connaît prise zam qui était nan men yo pour problème yo gagne pour misère qu'a ravager zone côté à vivre là t'a planer pour faire quoi là mais motivation pas ça parce que si me planer m'pa pas travailler m'pa pas faire quoi et comme c'est avec pour me travailler bon préférer quitter le nan même là ban plus quoi mais situation qui fait que nous là et c'est à travers toute bagaille ça yo qui fait que si et seulement si, si politique là l'état c'est société civile société et chambre de commerce et business yo société privée et secteur privé pas chita ensemble pour nous réfléchir ça nous constater là qui ban nous petit calme qui rentrer dans package parce que kidnapping là qui baisser à tout qui moun pa gè pression sur l'argent c'est une composante qui fait toi baisser c'est pas li spécialement ou exclusivement qui fait que taux dollar baisser mais là dans le tout mais ça nous constater petit climat apparent de calme de tranquillité hein? Si pas gon bagay qui courir fait rapide soit pour joindre configuration pour regarder comment peuple a vivre comment moun a vivre si pas gen ken activité ou a toujours été au genre un pays bloqué ou a toujours un pays a pas fonctionné et nous sans l'aide déboucher sur une catastrophe humanitaire sans précédent parce que pas gen personne dans pays là qui a fonctionné pas gen personne qui gagne dans mayo là. Qu'est-ce que ça fait tout révoquer pas de gens qu'on travaille? Qu'est-ce que tu travailles qui sont pour perdre du travail? Parce que l'argent vient pas dedans. Hein? Et qu'est-ce que un business qui pas un moyen qu'on y a pour importer, qui est productif, qui doit toute banque, qui doit tout côté, tout monde, toute couleur, toute catégorie confondue, charge à problème là. Pas rien qu'à fait dans le pays. Et nous avons combien de temps? Blanc, 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 ou les noirs là, blanc, ou les noirs à terre, blanc, nous bande tout bluff. Les derniers plus gros bluffs, ils nous là, ils nous 18 motos. Et nous recevons. Et 18 nègres dans la classe moyenne seulement, pas même rentrer dans le gros nègre, nous avons 18 motos. Ça, c'est juste pour montrer que le problème nous situe à moto. Or, puis gros problème, c'est le problème entre haïtiens et haïtiens. C'est haïtiens qui ont levé haïtiens. C'est haïtiens qui ont fait comme haïtiens. Haïtiens qui ont parlé haïtiens. Pour qu'ils ne parlent pas nous chita pour nous parler, pour nous dire, mais ça n'a pas fait. Parce que toute cause, ça qui est là, c'est inégalité, c'est exclusion. OK? Son groupe nègre qui décide de mettre pied sur l'autre. Et puis pour faire l'argent, et puis qui trouvait dans le mi-temps, un groupe qui gagne l'argent, qui dit que je vais quitter le groupe entre eux, je vais me faire quoi là avec eux. Mais situation pays. Monsieur Alexis, nous pratiquement fini avec l'entrevue, mais il y a pile de questions qui étaient sous lève auditoire là. Par exemple, nous avons regardé ensemble avec vous une question qui se posait à l'heure. Écoutez, nous avons dit, les monsieur recevoir tout l'argent, ça, mes amis. On dit par exemple, ils recevoir $25,000 américains, $10,000 américains de plusieurs victimes, de plusieurs proches victimes. Est-ce que nous avons une capacité dedans pour dépenser l'argent, ça? Vous comprenez? Parce que, pas gagner magasin dedans, pas gagner de bayou cachetan dedans guerrier. Vous comprenez? Et c'est pas mon côté. Oui, il y a un gros homme qui dit, tu y acheter balle, il y a acheté zam. Zamak balle. Vous comprenez? Est-ce que vous pas une connexion à des mounes qui vous avez des business qui vous blanchit l'argent pour tout? Vous comprenez? Parce que nous avons un business où là, par exemple, qui a bien fonctionné, et pourtant c'est l'argent, et l'argent gagne qui la donne. Tout ça. Est-ce que vous pas gagner des connexions avec des mounes dans la banque qui vous permettre que vous prenez de l'argent, mais on change? Donc tout ça, c'est des questions qui t'a capable de poser. Bon. Sauf au service renseignement efficace qui t'a capable de nous connaître. Les messieurs recevoir tout l'argent ça. Qui côté vous fait avec lui, qui côté à le dépenser,
et qui côté l'aller dans l'économie. Nous allons dire merci et monsieur Alexis, nous permettre que en 30 secondes on conclue et peut-être une prochaine fois on va poser problème ça en profondeur. Bon, et moi-même ça que pour me conclure comme je l'ai dit, nous pas jamais connaît croissance économique si marché criminalité a pas baissé. Instabilité politique a créé, a toujours créé criminalité. Instabilité économique a toujours créé kidnapping. Ralentissement croissance a créé banditisme, kidnapping. Et pauvreté généralisée, misère, si par exemple, si aucun l'État par jamais agi sous lui, si toujours pas gain opportunité économique pour population, pour tout le monde. Si corruption était la norme, parce que l'obga de corruption, c'est un plus gros frein à développement pays. Ya. Et c'est un bagay qui fait un groupe qui dit, ah, monsieur Kouza, si côté le sorti là, il sorti là, il est arrivé là, il fait ça, et puis nous t'es là avec, il garde le ouais, monsieur, un beau matin, qui était blanche, qui pas de gain wine dans même, et puis un beau matin, et puis a fait la manger. Et tout le monde compte tout le bagaille dans le pays. OK? Activité kidnapping a prêté une option viable. Que le monde n'a pas que le pas voulu, si l'État n'a pas agi dans le ghetto, si l'État n'a pas agi dans la configuration démographique, j'en moun y a vivre, quantité moun ka vivre dans zone, qui sa yo, et si l'état pas regardé, qui j'en moun y a vivre, standard de vie, qui sa yo besoin, qui sa yo...